Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Cory, Cuddly Carnage, un jeu édité par Wired Productions, développé par Angry Demon Studio. La sortie française, ce sera le 29 août 2024. On est sur PlayStation 5, ça sort aussi sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series et PC. Tout le monde est servi, à part le téléphone, voilà, pas de version mobile pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu indé, aventure, action, on va jouer à un chat survitaminé. Vous avez vu Stray, on joue à un chat, un petit peu de simulation et tout. Là, on va jouer à un chat qui fait de l'overboard et qui défonce tout dans son passage. C'est déconseillé au moins 18 ans. Attention, on nous prévient au début du jeu qu'il peut y avoir des crises d'épilepsie, qu'il y a pas mal de couleurs, etc., de thromboscope et tout. Donc faites attention si vous êtes sujet à ça. N'hésitez pas, si vous voulez laisser un petit like, merci à vous. Est-ce que vous aimez les chats? Moi, par exemple, les chats, j'ai peur d'eux. IRL, j'en vois un, je change de trottoir. J'ai tellement peur d'eux, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Il y en a qui ont peur des insectes, d'autres qui ont peur de ci, de ça, des araignées. Bah moi, j'ai peur de tous les animaux. Il n'y en a aucun qui, en qui j'ai pas peur, à part peut-être les poissons. Les poissons, ça va encore. Mais bref, assez à raconter ma vie. Prenez à boire et à manger, parce qu'on est parti. Day 243 in orbit. My engines hurt. The nights are so... cold. Chip. Now with real feelings. My reactor is dry and the sun is too... Another day, another dollar. Every morning is a blank canvas. Time to chase the dream and... Error. Inspirational quote 542. Not found. Frank. With a family-friendly language setting. I must have caught something from that sexy RC car. I should get that checked. Your maintenance up here is terrible, Chip. I'm trying my best, and I have no arms. We need maintenance by a licensed cool toys trademark engineer. Newscast! All human engineers are gone from that dirt patch around which we're currently orbiting in 1,000 metric tons of steel. Metric tons? Don't talk about my weight. Don't worry about your weight, Chip. We love living inside your voluptuous body. We're fortified up here, and whenever Cory runs out of his processed chew toys, we can just get some exercise and resupply back on Earth. In my mind, all of us will live inside you in peace and prosperity forever and ever and ever and... Wait, what the f*** was that? Reach? Oh, breach. There's definitely a breach. My insides are falling out. Wow! I think Chip is dying! Breach! This is awesome! Oh, I can't feel my legs. Breach. Oh, cruel world. Honor. Was that them? The professor never mentioned any cool toys. Trademark. Explosives. How are we supposed to get back to Earth? Cory? Wait a minute. What the f*** are you doing in the airlock? Much old friendly software. Won't let me swear, but I'm f***ing serious. F***! Now you just wait a minute there, pal. Let's talk about this over some nice meat. Come on, you want some nice nip, bud? Game face on! Cory. The perfect pet. And cutting time, mother! C'est une dinguerie. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais l'introduction est vraiment géniale. Et pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez, mais le jeu est plutôt joli. Il y a de l'humour. Le seul problème, ça fait penser un peu à un jeu qui s'appelle Iron Life. Je sais pas si vous avez connu, c'était un jeu à la base sur Xbox. Après, il est sorti sur PlayStation. Très très drôle, malheureusement, comme il est en VO, soit en allemand, soit en anglais. Eh bien, on est obligé de lire pendant qu'on joue, c'est un peu compliqué. Et comme quand on a joué à GTA, qu'on a tous joué à Red Dead, etc. Tous ces jeux qui ne sont pas traduits pour l'immersion, c'est dur de pouvoir lire et tout comprendre, mais on va essayer de faire avec. Voilà, petite figure magnifique. À court de carburant, pour les boosts et les mouvements destructeurs, utilisez les wall rides. D'accord, on l'avait vu, on va pouvoir, hop là, sauter sur les murs. Parce que oui, comment j'ai découvert ce jeu? Je l'ai découvert... via une bande-annonce sur IGN. Et j'ai fait ce jeu, elle a l'air trop trop bien. Comme il y a une démo qui est disponible, voilà, si vous le testez. Si vous êtes sur PlayStation, Xbox, ou même PC, je crois. Mais console, je suis sûr à 200%. Eh bien, sachez
que vous pouvez télécharger une démo. Olé. Ça va. Ah, par contre, on sait pas trop où aller pour l'instant. Je pense qu'on va au bon endroit. Alors, on a récupéré une clé. Et vous allez voir que c'est du parcours. On se balade. Et ça sera aussi du combat. Parce qu'on va voir des ennemis. Et je vous dis pas c'est quoi comme ennemi. C'est très très choquant. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Qu'est-ce qu'ils ont pris, les développeurs. Attendez. On peut récupérer un peu de soin là. Même pas. Pas besoin. Ok. Attention à la police. On ne touche pas aux voitures des policiers. Eh, petite licorne. Enfin, c'est une licorne ça ou c'est un poney? Oh, c'est une licorne. Elle a une corne. The unicorn. The cutest companion. The ugly corn. Undead unicorns. Hey, j'ai pas envie de vous mentir. What? Ce jeu. C'est un jeu. Magnifique. Après, je vous avais dit à l'introduction, c'était très très coloré, très lumineux. Voilà, c'est un parti pris. Et c'est vrai que voilà, faut être préparé. En tout cas, le feu est là, oui. Pas mal de références, je pense, à des films ou pas mal de choses. Ne vous inquiétez pas, ce qu'on va faire là, c'est découvrir la démo, voilà, jusqu'à où elle va nous emmener. Et puis quand le jeu sortira, dans 2-3 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises au moment où je vous parle, eh bien, je vais me permettre de... What ? Je me permettrai de refaire une vidéo. Ne vous inquiétez pas, quand on verra quelle est la différence entre la démo magnifique et le jeu final. Par contre, j'avoue que le chat... Il est hyper classe. Olé. Par contre, ça se joue très très bien. Ça répond vraiment au doigt et à l'œil. Je dis ça jusqu'au moment où je vais me louper, mais franchement, pour l'instant. D'accord, on a aussi une esquive. Peut-être qu'on nous parlera de ça un peu plus tard. Non, non. Ça, c'est mission impossible, ça. Vite! Oui, c'est pas mission impossible, c'est pas grave. Ah oui, R1. Oh là là. Zut. Non. Ah oui. J'ai double sauté. Attendez. Il fallait pas double sauter. Il fallait juste faire un saut. Je sais pas si j'ai ce réflexe de faire un double saut. Voilà. Ça va mieux quand on joue bien. Bon, ça vous prouve que j'ai pas testé le jeu avant. Le boost 3-2-1. Ah ouais. Ça mélange beaucoup de genres. Salut le toutou à gauche là. J'espère que ça va bien. Encore une fois, on prend du boost. On s'agrippe. Et quand vous avez vu les licornes, hein, vous doutez que c'est un jeu complètement cinglé. Ouais, bah moi j'ai pas trop envie de jouer avec lui, tu vois. Et au niveau, y a pas de map, à proprement parler. Voilà, j'ai voulu vérifier. Mais c'est quand même très très dirigiste. On a l'impression de jouer un petit peu à un Lollipop Chainsaw, à une sorte de Sonic, à ce niveau-là, ou un Jet Set Radio, tout ça. Survitaminé. Et vraiment, j'apprécie pour l'instant l'offre qui est proposée. Après, il faudra juste voir sur le long terme. Est-ce qu'on va pas. Enfin. Ah, ça fait 10 minutes que je joue. Mais est-ce que. What? Est-ce que dans une demi-heure, une heure, 6 heures, on sera pas gavé? Après, le jeu, il a prix réduit. Il est à 29 euros. Enfin, c'est pas un jeu qui est vendu 80 euros sur le PSN. T'en diront heureusement. Danger. Ça me fait vachement penser ouais à Lollipop Chainsaw tout ça. Maintenir. What? Oh oui. On n'a pas vu ça en breaking durant les JO. C'est qu'on a vu. Elles ont évolué. Finish move.
Le finish se fait une fois qu'elles sont à terre. Licorne. Et voilà. Après, peut-être qu'à regarder, c'est pas très lisible pour vous. Mais sachez que quand vous jouez, vous savez vraiment ce que vous faites. Vraiment, tout ce que je fais, c'est reproduit à merveille. Et vous avez vu que on a une note en bas à droite. Comme Bayonetta par exemple, ou comme David McRae, on a une note et si tu enchaînes vite, eh bien, bah, tu auras une meilleure note. Alors, on le porte en A, c'était très bien. Et je suis sûr qu'on peut aller en S, par exemple. Alors, je pense qu'il faut passer par ici. Olé ! Alors, pour le moment, c'est validé. Mais je vous invite vraiment à tester la démo, elle est pas très très lourde. Ça fait, je crois, moins de 10 gigas hein, de mémoire. Ah, on peut faire ça, d'accord, c'est plus intéressant. Oui. Par contre, là, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. Attendez, on va recommencer. On y va. Un peu de boost, là. Ici, on saute, pas de soucis. Ici, on saute, on est un peu court, mais ça va. Ici, on donne du boost. Ici, on donne du boost. Ouais, fallait juste passer par là. Je pensais qu'il fallait reprendre autre chose. J'ai cherché compliqué, alors que c'était simple. Après, certains diraient, est-ce que ce serait possible d'avoir un mode de jeu où on n'aurait pas toutes ces couleurs? Ouh, je pense que ça dénaturerait le jeu. Les gens ont créé un jeu de cette façon. Mais je peux vous comprendre que j'avoue, même moi, je me dis là, j'ai sorti mes lunettes de soleil. On n'est pas en canicule au moment où je vous parle. Il fait même plutôt bon. Et toi, je t'explose. What? Je lui ai sorti la tête pour lui rentrer à nouveau. Ah, c'est bon. Calmez-vous. Vous aussi là. Après, je sais pas si on peut les enchaîner à nouveau. Reste à voir. Après, c'est le début du jeu, il me semble. Hein. Je crois. D'ailleurs, si c'est le début du jeu, je pense que quand je ferai une découverte du jeu final, je me permettrai de pas montrer ça. D comme débile. Non, mais ils me prennent. D'accord, bah, c'est pas gentil de me parler comme ça. Moi, je fais tout pour être bon. On me dit débile. Mais oh, waouh. Eh ben, si Superman y va ici, je crois qu'il n'en ressort pas vivant. Alors, toujours par là. En tout cas, c'est très très bien dirigé. J'aime bien. On sait où faut aller. Attention. Ah oui, si, j'ai pas précisé. Et vous, là. Je vais vous fumer. Pour ceux qui se posent la question, il y a trois modes de qualité. On a qualité, 30 images par seconde, et c'est de la 4K, pur et dur. On a le mode équilibré, c'est ce que j'ai choisi. C'est 60 images par seconde et de la 4K. Ok. Et on a le mode... What? Bah, il faut faire quoi là? Attendez. Ok, j'ai pas trop compris pourquoi il fallait tapoter, mais... Et on a un dernier mode de jeu qu'ils appellent le mode genre performance, ouais. 120 images par seconde, pardon, excusez-moi, j'ai mal parlé. 120 images par seconde. Et vous avez de la 4K, mais qui n'est pas native. C'est un peu de l'upscale. Voilà, c'est vraiment... Mais un jeu comme ça, jouez au moins, au minimum, en équilibré. Ne jouez surtout pas en qualité. Vous avez vu comment ça bouge? Faut que ça bouge vite, les jeux comme ça. Sinon, vous allez... Vous allez pas kiffer, je pense. À mon humble avis. Oh là là. Je kifferais qu'on affronte un... des ours. Des ours en peluche. La boule bouclier. Ah, peut-être qu'il faut les affronter en leur tapant fort dessus. Attends. Hey, c'est amélioration, voilà. Let's go. En plus, elle est gratuite, c'est quoi? Vous renversez vos amis et tout casser. Ok, ouais. C'est quoi? C'est gratuit. Ah bah attendez, on peut avoir du bouclier en plus. Et 4 secondes, soulevez vos ennemis. Après, on aura plein d'autres améliorations, vous voyez. Ça, c'est bien. Et on aura d'autres personnages. Voilà. Et on aura peut-être même des filtres photo. Donc c'est bon à savoir. Mais on aura un ami, Franck. Peut-être que Franck, c'est la planche. Et la planche pourra se... Ah oui, d'accord. Triangle coup fort. Ah oui! Magnifique, ça! Bah alors, on part la tête. Eh, je suis un pro au billard. Le bowling, je suis pas très bon, mais le billard, ça me connaît.
Vous êtes où ? Misérable. Je vous entends quelque part là. Ouais, vous êtes là. Je pense qu'on s'est perdu. Oh les. Et voilà. Bon, j'avoue, pour l'instant, c'est facile. Par contre, il y a 4 difficultés. Il y a facile, normal. C'est ce que j'ai choisi. On a difficile et extrême. Moi, à titre personnel, j'ai choisi normal parce que j'aime bien jouer normal. Et si vous préférez jouer une autre difficulté, c'est possible. Hein. C'est à vous de choisir ce que vous préférez. Oh là là, comment ils vont évoluer? Genre maintenant ils vont tirer! Oh là là! À la fin du jeu, ça va être une armée! Alors verrouille les ennemis avec R3, d'accord. Et après, on peut bouger suivant où sont votre ennemi. J'arrive pas. Olé! J'arrive! Oui. Il y a trop de choses. D'accord, on peut taper comme ça. Avec R2, ah oui, ça fait le fouet. On appellera cette attaque, l'attaque Gordon Ramsay. Je pense que ça ira bien. Allez, allez. C'est vrai que c'est quand même... Je peux dire que c'est brouillon parce que, comme je l'ai dit, on sait ce qui se passe. Et c'est quand même parfois pas très lisible parce que ça... C'est très lumineux. Quand tu fais une attaque, vous voyez, ça part dans tous les sens. On sait pas trop ce qui se passe. J'arrive. Allez, faites ça. Toi, je t'éclate tout le corps. Voilà. Après, j'espère juste que ces finishes vont évoluer avec le temps. C'est tout ce que j'espère. Parce que je me dis, voilà, là, c'est, au début, c'est drôle. On les découvre. Et si, comme je l'ai dit tout à l'heure, après plusieurs heures de jeu, bah, t'en as 5 différents. Je vous fais mal là, je vous fais très très mal. Vous aussi. Olé. À qui le tour. Moi je dis, on fait A ou S. Minimum. A ou S. Je vous le dis. Let's go. On a fait le A. Est-ce que c'est possible d'aller un peu plus loin? J'aimerais bien savoir. Oui. Après le S, c'est le P. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas au courant. Je suis sûr qu'on peut aller encore plus loin. Il doit avoir le double P. On le tente. Là, on a 28 kills de suite. Non, je pense pas finalement. Et ça, c'est sûr que au niveau combo. Oh oui, j'ai le magnifique. Tu vois, c'était bien. Je suis content. Par contre, j'avoue, ça ne s'arrête plus. Ça me dérange pas. Après, est-ce qu'il faut vraiment. Ah oui, d'accord. En haut, il y a écrit un pourcentage. Je pense qu'il faut atteindre le 100%. On se calme, les enfants. C'est pas comme ça. Voilà, le 100% est accompli. En gros, en haut, on avait la petite vague. Moi, j'aime bien ça. Ça se joue bien. Après, moi, j'aime bien ce style de jeu. J'aime bien les jeux où... Olé. J'adore les jeux où il faut pas réfléchir et jouer. Diront, oh bah c'est quoi ce jeu bizarre là? Je préfère les jeux tout simples. En plus, avoir la démo pour l'instant, elle est quand même pas mal généreuse. Je pense qu'on va avoir les 30 premières minutes. Ah, petit lag. Bon, ça va, c'est assez léger. Oh, le boss. Je parlais de la démo légendaire. Il était très gentil. Il n'y a pas de boss. Ah! D'accord. C'est très particulier comme présentation. Oula. De boss. Excuse-moi. Excuse-moi, plancton, là. J'arrive. Voilà. On y va. Je pensais qu'ils auraient fait une meilleure cinématique. Donc la première cinématique qu'on a eue avec l'unicorne, et même toutes les autres, c'était quand même sympa, et là, je trouve qu'ils ont fait le minimum pour le boss. Je pourrais penser à plus.
Par contre, des fois, j'essaie de mettre la caméra bien comme il faut. Mais je vais pas vous mentir. C'est pas évident. Voilà. On y va. Il me reste que 36% de vie. J'attaque comme un bourrin. Je vais pas vous mentir. Bon, ça va, on lui a mis un de ses doigts dans le corps. C'est pour ça qu'il faut faire avec ses racailles. Pour les. Bon, il n'y a plus personne. Ouais. Allez, il y a écrit warning là. C'est pas ici qu'il faut se barrer. Je pensais que je venais de là. Et ben voilà, je pense que la démo est finie, si je dis pas de bêtises. Même pas. Oh, on dirait un œuf de Kinder. Trouve un nouveau vaisseau. Ah, voilà. Voilà, qui est chose faite. Comment ça va se passer maintenant? Comment ça se passe? Oh les figures! Ah oui! D'accord, c'est la cassette qui est la conscience du robot, j'avais oublié. Bonjour monsieur le robot! Comment ça va? Finalement, on va peut-être éviter. Ouais, c'était sûr. Là, le but c'est de donner envie de faire la suite. Ah bah oui. Et est-ce que moi ça m'a donné envie de faire la suite? Bah bien sûr que oui. On a fait 16 minutes, on a quand même plutôt bien joué, hein. C'était assez correct, parce que vous en avez pensé. On n'est pas mort, voilà. Et après, quand je vous dis, voilà, on a différentes difficultés, on l'a fait en normal. Après, il y a Shadru, sans difficile, et Carnage de Doudou. C'est le mode difficile du jeu. Et franchement, bah, moi, je vous conseille de tester la démo de votre plein gré. Et surtout, bah, si ça vous a plu, vous pouvez aussi tout simplement acheter le jeu quand il sortira. C'est comme ça. Merci à vous, une nouvelle fois, d'avoir... était avec moi durant cette découverte. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, salut!